L'été, le melon est roi à Chaillet-les-Marais et en 2002, la 6e édition de cette fête a réuni de très nombreux visiteurs. À ce rendez-vous organisé par l'Association des commerçants et artisans de Chaillet-les-Marais. Donc vous n'êtes pas tôt à chercher l'eau, c'est que c'est bon signe, c'est très bien, c'est des bons melons alors. Voilà, s'il n'y a plus, c'est que c'est très bon signe. Vous l'aurez compris, ce dimanche 4 août, Chaillet-les-Marais fêtait les melons. Ventes et dégustations ont rythmé la journée avec 580 kg de melons vendus et 240 dégustés. L'occasion d'organiser un concours du plus gros mangeur de melons, le vainqueur l'a emporté après avoir ingurgité 1,720 g en 5 minutes. Parallèlement, de nombreuses activités étaient mises en place avec un concours de crachet de pépins, des stands de tir ou de bowling. Cette année encore, le public a su répondre présent à l'événement, à la grande joie des organisateurs. C'est la 6e fête des melons, hein. On fait plus une fête pour les chaisés, pour les associations, que pour nous-mêmes. On veut que tout le monde participe et que ce soit bien réussi. On fait venir un peu des gens du coin, comme les buggy fontenaisiens, pour animer, des manèges. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la fête des melons ou de Chaillet, anciennement fête de la Madeleine, survive. On est notre fête de village, quoi. D'été, fête d'été, que tout le monde puisse manger le soir, danser, et puis être bien à l'aise, quoi. Sans avoir à dépenser des sommes astronomiques, et puis voir les produits locaux qui se font dans le coin, comme la poule de marrant, y a toujours un petit quelque chose. Tous les ans, on essaye de changer un peu, de faire tourner. Nouvelles voitures, les belles voitures, elles ont toujours un accueil chaleureux. Oui, beaucoup. Ça plaît beaucoup aux gens, ils viennent toujours voir ces vieilles voitures d'antan. Des années 60 jusqu'à 75. Hein. Cette journée placée sous le signe de la fête est l'opportunité pour les producteurs de melons de mettre leurs produits en valeur. Nous produisons des melons sur le canton de Chaillet-les-Marais. On produit à partir du 25 juin jusqu'en octobre. Dans le Marais, on produit les melons. Et vous voyez ce type de melon que nous avons, ça représente sur le canton à peu près 240 hectares de melons sur le canton de Chaillet-les-Marais. Ça demande beaucoup de travail car nous commençons à faire les plants à partir du 20 février en serre. Nous replantons donc au mois de mars, on commence les plantations au mois de mars jusqu'au 15 juin. Et de là, toutes les semaines, nous mettons un planning en place pour avoir de la récolte de fin juin à octobre. On suit au niveau sanitaire la production et nous faisons de la traçabilité aussi pour qui va de la graine au colis de melon. La fête s'est étalée sur toute la journée au grand plaisir du public qui est reparti le sourire aux lèvres et surtout le ventre plein.